Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3. On est toujours avec Albéric et on a plein de gens qui nous ont rejoints. Tout d'abord, on a la vague des gueux ici qui nous a rejoint, une horde de paysans qu'on va essayer de garder en vie peut-être jusqu'à la fin de la campagne. On verra si on s'en sort. On a également les Battle Brothers qui nous rejoignent, comme le jeu vidéo éponyme, n'est-ce pas? Il y en a déjà eu sur la chaîne si vous l'avez raté. C'était une bonne idée, je trouve ça sympathique. On est sur la bonne équipe de mercenaires Pécor qui fait le taf. On a aussi quelques unités un petit peu plus épiques qui nous rejoignent, notamment les poulains de Bregon, qui sont la première unité de chevaliers formée à Bregon, mais uniquement avec des gens nés en Lustrie, dans la province d'Albéric. Des gens donc qui ont tout approuvé, mais qui, j'en ai aucun doute, hein, d'ailleurs, ont déjà commencé à bien faire le taf. Et on a aussi les jokers de Triste Clown, une cavalerie errante hein, qui cherche à faire ses preuves après que sa baronnie se soit fait détruire, lors d'une attaque sur Couronne. Merci beaucoup hein, à tous les viewers qui me proposent des noms, qui me proposent des choses. J'ai pas encore renommé tout, j'ai une petite pluie de poison ici aussi qui nous a rejoint. Il y a des paladins toujours en attente, il y a quelques unités à renommer. Ça fait franchement plaisir de voir un petit peu de RP, un petit peu de discussion dans les commentaires, donc n'hésitez pas à continuer, moi ça me plaît beaucoup et on va essayer de jouer tout ça et bien comme ils sont faits pour être joués, n'est-ce pas? Contourner l'ennemi et écraser l'ennemi. Au niveau stratégie, j'ai regardé un petit peu, j'ai une très bonne suggestion aussi d'un viewer pour faire, je me gourde de bouton, pour essayer de draguer un peu Itzhak et d'aller chercher la diplomatie extérieure ici. Ce qui voudrait dire faire cette tech là et ensuite faire cette tech là, ça nous donnera 50 de relations avec les hommes lézards et ça pourrait nous permettre de sécuriser définitivement les relations avec Itza. C'est une super bonne idée je trouve, le problème c'est que c'est un petit peu long malheureusement, Itza est tout à côté, il est quand même très fort, mais il y a d'autres possibilités. Là en ce moment il nous aime bien parce que on est rentré en guerre contre la tribu du fléau des hommes et on a fait les intrusions contre le clan Splittel, en plus d'avoir écrasé les éveillés. Du coup au prochain tour il devrait nous aimer encore mieux et là on a la possibilité de lui proposer de rejoindre la guerre contre le clan Spittel, qui est le clan qu'on veut écraser là. Et vous voyez que si on fait ça on est à rien d'un pack de non-agression, donc je pense que au prochain tour il y a moyen. Sa relation aura monté, on aura recruté des troupes, donc le rapport de force sera un petit peu plus équilibré, il sera peut-être un petit peu plus enclin à accepter qu'on rejoigne la guerre, parce que là pour l'instant vu qu'on est moins fort que lui, il prend ça comme une demande d'aide plutôt que comme d'aide de notre part plutôt que comme nous qui voulions l'aider. Ici il y a une armée qui traîne mais c'est vraiment de la daube, donc notre objectif à moyen terme c'est de terminer ce recrutement. Ici j'ai pris une petite cavalerie finalement. On va amener Malvinette sur cette zone là juste le temps que les deux bâtiments qui sont là se terminent au prochain tour. Comme ça, elle aura deux bâtiments de plus pour ses vœux. Et ensuite, on va partir en chasse de cette armée-là. Enfin, pas de cette armée-là, elle est nulle, mais on sait qu'il a une autre armée potentiellement pleine quelque part qui traîne, cachée dans un coin, et donc on va essayer de s'en débarrasser tout simplement, en espérant qu'elle se révèle. Du côté d'Albéric, il va falloir faire tomber cette armée, et assez rapidement, on va prendre Gaelden, puisque c'est le seul héros qu'on a malheureusement, et on va l'envoyer explorer un peu là. Il faut absolument qu'on trouve des partenaires commerciaux, parce que là les revenus c'est quand même compliqué. Même s'ils ont des bâtiments qui fournissent pas mal avec le fonctionnement des paysans, il faut quand même faire un peu gaffe, et je pense que c'est absolument nécessaire. Donc il va falloir qu'on envoie un héros explorer un peu, et on va essayer de dégager des partenaires commerciaux, et ensuite on le ramènera. Ouais. Je sais pas encore si je me lancerai directement contre le clan Spittel ou si je profiterai peut-être vite fait de me téléporter ici. Ça coûte 500 balles, hein, ça c'est pas mal, ils ont changé ça par rapport à l'opus précédent, au 2 où ça coûtait je crois 2000 ou 5000, enfin c'était absolument merdique et pas du tout rentable à faire. Là c'est un petit coup histoire que voilà, ça soit pas non plus gratuit, mais ça reste quand même carrément faisable quoi. Il y aura des renforts, on va affronter de la cavalerie a priori potable, mais c'est pas non plus monstrueux.
Et on pourrait récupérer quand même des objets vraiment sympathiques, quoi. Et ça, fallait qu'on capture quoi? Sartosa. Ah oui, alors Sartosa, c'est pareil, c'est ici. Ça fait partie des trucs qu'on essaiera peut-être de prendre dans notre conquête de port, hein. On va essayer de prendre les côtes, tout simplement, puisque c'est un peu notre thématique. Mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Quoi qu'il en soit, voilà pour la stratégie qu'on va essayer d'appliquer dans cet épisode. J'espère que ça va fonctionner, auquel cas, bah, on adaptera, n'est-ce pas? Nous sommes flexibles, et on va passer au tour de nos ennemis, c'est parti. En espérant qu'Itza ne nous déclare pas la guerre dans la foulée, parce que pourquoi pas. Pour l'instant ça va, ok. Alors je suis curieux de voir où le clan Spittel va aller. Parce que mine de rien, il est censé, il peut pas utiliser son souterrain normalement pour se déplacer dans des terrains inaccessibles, mais là il y a peut-être un petit exploit de se placer ici. Ok, il vient là. Non, ça c'est ses héros. Son armée a disparu, mais ses héros se sont placés là. Ah, et là il y a notre copain. Et il nous attaque. Très bien. Très très bien. Donc on a découvert son embuscade et il nous assiège. Ok. Les vents de douleur, réserve de puissance des vents de magie plus 10. Très bien. Alors là, sauf que du coup, on n'a pas pu recruter malheureusement. Qu'est-ce qu'il a? Il a quand même du Minotaur, quelques unités cachées. Ça sera assez facilement crochable. On a quoi comme garnison nous? Ouais, on a quand même une excellente garnison. On a toutes nos chances, je pense, si on attaque. Si on lance l'assaut, ce sera une victoire à la Pyrrhus. C'est surtout la garnison qui va prendre et on va rien perdre et pouvoir faire notre recrutement. Donc je pense qu'on va le faire en auto. Même les vagues de gueux, s'en est remis. Attends, on a carrément des unités qui ont rien pris, quoi. Ça va, comme victoire à la Pyrrhus. On a vu pire. On prend l'exécution et Malvinette gagne un cheval de guerre à barder. Ça, c'est beau. Et un petit niveau. Alors, la convergence harmonique. Ça permet de booster un petit peu. On avait pris de la corruption. Oh la vache, elle a pris 3 niveaux. D'accord. Alors, on va prendre le moral du coup. On va prendre la convergence harmonique. Et une petite foudre. Voilà, puisque c'est notre lanceuse de sort. Bon, du coup, on perd un tour de recrutement. Ça m'embête. Parce qu'il faudrait qu'on aille ici. Donc on va devoir annuler ce recrutement pour se rendre là, malheureusement. L'objectif, hein, c'est de réussir son vœu pour qu'on puisse recruter des unités un peu plus pertinentes. Hein, donc c'est pas la peine de se mettre en global. Cette armée-là, on ira l'écraser rapidement, mais du coup maintenant il n'existe plus. Hein. On l'a annihilé. Donc là on va prendre les deux bâtiments construits, ensuite on va retourner le plus loin possible, commencer à recruter. Et ici il est en train de recruter de la corde de skink de mer, donc j'ai aucun doute qu'on va l'écraser également. C'est parti, une victoire décisive, en avant. Voilà. Et Albéric devient un héros, ça c'est beau. Je sens qu'on l'avait déjà, on est passé peut-être au niveau d'après. Ah, et on a Gaelden qui termine son serment en plus. Ça c'est cool. Serment de bravoure. Permet les attaques magiques, attribue parfaite vigueur. Bon bah du coup ça va être un combattant encore plus d'exception, mais il faut qu'on l'envoie. Ah bah j'ai cliqué, il faut qu'on l'envoie par là-bas. Ok, donc c'est parti. Tu vas le plus loin possible. Et bah attends, après on va s'avancer tranquillement vers là-bas. Ici du coup on est quand même à plus 14, malgré que on a plus le plus 20 de bonus de rébellion. Donc c'est pareil, on va commencer à s'avancer vers les Skaven. Alors est-ce que ce serait pas plus intéressant par ici? Potentiellement ce serait plus intéressant par ici. Est-ce qu'on peut recruter dans le coin? Non, on n'a rien du tout. On n'a rien pour recruter dans cette zone. Du coup, on va passer en marche forcée. Et on va avancer vers
La frontière. Voilà. On va prendre le petit niveau. Commandement du devoir des paysans. Pour l'instant, on l'utilise pas, mais ça resterait intéressant. Je pense qu'on va lui prendre la cave de la dame. On a vu que quand même, 10% de résistance aux projectiles, c'était pas inutile pour lui. Parce qu'en volant, il prend quand même cher. Bon, avec son hippogriffe, il est un peu plus costaud maintenant, mais c'est quand même un peu la violence. Hein. Alors, notre objectif, améliorer les ports. Du coup, je pense que prendre ce bâtiment, ce serait pas dégueulasse. Par contre, avant, on avait un truc qui diminuait le coût de construction. On va prendre ça. Vu qu'on est à 14 d'ordre public et qu'on est en train d'écraser la corruption empirique, on peut se permettre d'enlever le 10 ici. Et de partir vers réduire le coût de construction. Ici du coup on attend un tour malheureusement. Là on n'a rien à construire donc on va garder de l'argent pour l'instant. On investira sans doute à Renaissante lors du prochain tour. Ici peut-être ça, non c'est pas intéressant. On va donc passer au tour de nos ennemis. On va voir comment Itza s'en tire face à l'armée Skaven en maraude. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il s'en tire mal. Et au prochain tour, on tente le pacte de non-agression avec lui. Alors j'ai regardé un petit peu l'expédition du Yag Marshall, si on pouvait faire quelque chose de similaire. Pour l'instant, malheureusement, non. Lui pour le coup il se considère très très fort donc il prend vraiment le fait qu'on rejoigne une guerre comme un coup de main quoi, comme lui nous filant un coup de main. Ok, il s'est mis en campement caché, il va peut-être essayer de recruter un peu. Voilà, on pouvait rentrer, bah justement on pouvait rentrer en guerre aux côtés du Yag Marshall contre le clan Vérol et il s'en foutait totalement. Donc du coup bah voilà. Ici visiblement c'est assiégé donc je pense que le Skaven est allé jusqu'ici. Donc à mon avis il va peut-être être encore plus enclin à vouloir nous aider lui. On n'a pas de mur là. Faut qu'on fasse des murs. Alors si par exemple on rentrait en guerre contre le clan Spittle, tu serais partant. Et en plus tu nous files 39 balles. Et si on veut un accord commercial, non. C'est vraiment... tu veux vraiment pas, donc on va jouer sur l'amélioration de nos relations. Un pacte de non-agression et on rejoint la guerre. Parce que de toute façon, on va rejoindre cette guerre, autant pas s'embêter. Toi, tu veux toujours rien. Hein. La guerre contre ces deux trucs-là, ça nous intéresse pas pour l'instant. Ça pourrait éventuellement à terme servir de monnaie d'échange, mais c'est pas fondamental. Alors Malvinette du coup, on est d'accord que maintenant tu dois être à... Ah c'est pas le nombre de bâtiments, c'est faut qu'elle soit présente dans une région quand au moins un bâtiment se termine, d'accord. Ok, très très bien. Ici c'est plus ou moins terminé malheureusement à part vraiment des fortunes. Bon vu que l'armée on a plus trop à la chasser, on va peut-être la... La faire traîner à Tlax du coup pendant qu'on construit des trucs. Ou on la fait rester là. Alors ici je pense qu'on va partir sur ça. Ça serait pas inintéressant aussi hein, parce que il y a moyen que les Skaven nous posent des trucs. Mais vu que notre objectif c'est de les exterminer. Une fois qu'ils seront exterminés, leurs cités souterraines disparaîtront. Donc je pense qu'on va jouer la protection. Ça nous donne quoi? Là on est à quoi? 20% de recrutement en moins. Et là, moins 25% et plus 1 de rang, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. L'artillerie de la Bretonie, elle est potable, mais est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant de sous? On pourrait aller chercher ce genre de bâtiment, histoire de pouvoir recruter d'autres agents également. Ou tout simplement ça, hein. Pouvoir éventuellement recruter. Ça sera une province frontière ça dans tous les cas. Donc avoir des capacités de recrutement ici ça peut être utile. Voilà. Avant tout la protection.
Ici on va passer en marche normale. Attends, ça nous coûte tellement cher de nous déplacer dans la jungle. C'est ouf. Autorité plus 1 pour chaque guerre contre une faction. Téméraire, purificateur. Autorité plus 1 pour chaque guerre simultanée avec une faction voisine. Ah oui, tiens, c'est marrant. Très très bien. Alors là, du coup, on a économisé quand même 400 balles, hein, donc on prend. Gaelden. Mon cher. Alors, ton objectif, ce serait de voir les côtes ici. On va l'envoyer, on va le laisser travailler. On va juste faire en sorte qu'il s'arrête au max de son mouvement, mais pas plus loin. Voilà, quand ça change de couleur. Voilà, comme ça il s'arrêtera là et le jeu nous dira attention, il s'est pas déplacé, il fera pas un demi-mouvement. Donc il lui faut deux tours, ça va, franchement ça va. Après on ira découvrir les côtes de Bretonnie. Ici il y a des chances que Sartosa soit en train de prendre tout ça et d'écraser l'empire qui traîne dans le coin. Donc c'est pas dit qu'on pourra y faire grand chose. Tlaxon est quand même bien défendu si jamais le Skaven décide de lâcher là et d'aller ici. S'il lâche Tlanxa, bah Tlanxa c'est Tlanxa. Hein. Elle fera sa vie. D'ailleurs l'en public remonte un petit peu. Toi du coup. On pourra recruter au global avec elle. Enfin c'est quand même un peu chiant. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va la bouger là. Comme ça, juste ici, le temps de recruter un petit peu de troupes. On va prendre deux lanciers, un archer comme prévu. On n'a pas de quoi faire plus. Et on avait une recherche. Alors du coup, on va partir là-dessus, je pense. Plus d'armure pour les rois implantés, un peu plus de chevalerie. Et on va quand même aller voir si on peut pas draguer de ce côté-là. Là. Peut-être du coup, plutôt aller chercher ça pour draguer le Yag Marshal. Plutôt que Itza, puisque Itza a priori c'est fait. Bon, après ils peuvent toujours s'énerver un moment, mais si on maintient notre niveau de force, je pense que ça le fera. Ok, voyons voir un peu ce que nous propose le clan Spital. Si on peut partir sur une alliance avec eux, comme ça m'a été également proposé en commentaire. Et qui nous on pourra peut-être commencer à recruter des troupes intéressantes qui, comme le disait le viewer, remplaceront avantageusement nos pécores. C'est sûr que des saurus, hein, ça reste plus pertinent. Alors, non, c'est toujours ses héros, il se balade avec ses héros. Alors c'est bizarre parce qu'il était assiégé là et il a complètement laissé tomber le chemin. Alors si les Skaven se retrouvent là, ça nous arrange pas clairement. Mais il a peut-être envoyé notre armée parce qu'on voit plus ses armées, donc il a peut-être envoyé une armée là-bas quand même. Ok, il a fait le rituel éveil, on a une wag qui a échoué, deux wag qui ont échoué, on a le souffle sauvage, bonus de charge plus 20 pour chaque armée de chaque faction, donc ça c'est pour tout le monde. Ici il a lâché le siège, et il se dirige potentiellement vers nous. Donc là il est en marche forcée. Il peut rien atteindre, donc on n'est pas pressé. Spellcaster. Spellcaster. On n'est pas pressé, ça veut dire qu'on peut se permettre d'embaucher un petit truc comme ça, histoire d'avoir un peu de cave. Et sans doute un autre homme d'armes et un autre archer. Voilà. Ça va commencer à nous coûter au bout d'un moment un peu cher, hein, mais c'est pas grave. Ici, on va avancer. On n'est pas encore tout à fait bien remis. J'aimerais bien voir ce qu'il y a là. La ville est bien construite, mais il n'y a pas trop de garnison. De l'esclave. Charlock, mais c'est une. Ouais, c'est une infanterie de lancier, c'est pas un héros. Il a quelques couronnes nocturnes, mais je pense pas qu'il ait de Raogre caché derrière son blason là. Bon, d'ailleurs je peux regarder, hein, je voyais son bâtiment.
Guerrier des clans, couronne nocturne. Non, il a deux couronnes nocturnes avec des frondes. Ça, c'est ses unités les plus d'élite. Avec des zéro niveau, hein, aucune expérience. Donc ça devrait largement passer. Il y a lui qui peut faire chier, mais il lui faudra quelques tours. Si vraiment il faut, on enverra un Malvinette s'en occuper. Alors, il nous reste assez de sous pour changer quelque chose. Ah bah, 700, on va prendre ça. On gagne plus de sous, on passe à 150, et en plus, on diminue le coût de recrutement des Pécores. Donc, de toute façon, des Pécores, on va en recruter, hein, y a pas trop de doute. Gael'dan, il fait sa vie. Ici, on est à 900, ça fait plaise. Bon, financièrement, on est à l'équilibre, hein, mais on n'est pas non plus riche. Hein. Donc là, on y va... Je dirais pas avec parcimonie, parce que c'est pas trop mon genre d'y aller avec parcimonie, mais... Allez, il va falloir commencer à découvrir des gens, Gael'dan. Des gens avec lesquels on pourrait commercer. Je suis en train de me dire qu'il y a une chose que j'ai pas fait et que j'aurais pu faire. C'est que la Bretonnie est la seule faction à avoir un avantage assez important par rapport à toutes les autres, c'est qu'ils n'ont pas de coût de ravitaillement. C'est-à-dire que toutes les factions, quand elles... ok, ils se déplacent par là. Quand elles créent des nouvelles armées, ça leur coûte un peu plus cher à chaque fois. En chaque nouvelle armée va leur coûter 1%, 2%, 5% de plus à chaque fois. Ça dépend des factions. Mais les Bretoniens, eux, peuvent créer autant d'armées qu'ils veulent. Ils doivent bien sûr payer le coût d'entretien de l'armée, mais il n'y a aucun malus. Et c'est ça qui m'y a fait penser en fait. C'est-à-dire que le héros, il peut pas prendre ce genre de truc. Il faut un seigneur pour prendre ça. Mais un seigneur pourrait le faire. Et du coup, pourrait le faire de manière beaucoup plus efficace parce qu'on pourrait se permettre de ramasser ces petits trucs qui traînent sur la mer et qui sont, peuvent quand même donner des bonus assez intéressants. Et ça nous coûterait absolument rien de plus. Le problème, c'est qu'un seigneur peut se faire attaquer, pas un héros. Donc pour l'instant, on va continuer d'avancer avec Gael'dan. Voir qui on découvre. Ah bah pas de bol. Corruption du chaos à 100, ça a été rasé. Et une pierre des hardes. Très bien. Visiblement, c'est parti en sucette sur la côte. Ah ouais, 38 de corruption universelle, la vache. Et ici ça descend un petit peu, donc il doit encore y avoir des gens vivants, même si c'est peut-être pas la Bretonnie. Mais alors ici ça s'est fait défoncer, hein. Bordel. Ici c'est vampirique à fond, donc comme prévu Sartosa a fait le taf. Ici il y a Skaven qui résiste à Skarong. On avait Katox qui avait joué ce Skaven là lors de la partie multi qu'on avait faite ensemble sur le 2. Et ok, mais du coup ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais créer un seigneur, recruter un seigneur. Vous voyez, hein, ça nous coûte rien de plus. Alors, ça nous coûtait 250 d'entretien, mais rien de plus. Et on pourrait tout à fait prendre quelqu'un. On va prendre peut-être quelqu'un qui nous donne un bonus de chevalerie, tant qu'à faire. Il sera pas là pour combattre, hein, il sera uniquement là pour se balader. On va voir si quelqu'un a un bonus de déplacement. Champ de vision, c'est pas mal vu ce qu'on va vouloir en faire. Ça sert à rien. Peut-être le champ de vision du coup. C'est vrai que le 4 de chevalerie est un bonus passif assez intéressant, mais plus de champ de vision, ça reste quand même pas mal. Hein. Bon, ça coûte, il coûte plus cher aussi. On va prendre lui. Voilà, tu vas prendre la mer tout de suite et tu partiras à pleine vitesse vers le continent. Voilà. Puis on va ramener Gael'dan au prochain tour. Alors ici, on s'est pas déplacé. Il va être temps de voir un petit peu ce qui nous attend dans les fanges de sang. Est-ce qu'il y a une armée cachée? Il n'y a pas d'armée cachée. Ah, si on la fait automatiquement, on perdrait les écuyers d'Akat. C'est pas possible. On va donc pas la faire automatiquement. On va la faire sur le champ de bataille. C'est parti, je vous retrouve tout de suite en combat. Et hop là, on se retrouve comme promis sur le champ de bataille. Alors j'ai étudié un petit peu la carte, hein, et on est sur une cité Skaven.
vraiment très très bien conçu hein, et assez complexe à prendre avec pas mal de goulots d'étranglement un petit peu partout, des endroits où il faut rentrer vraiment en forçant le passage très fin et des points de contrôle qui sont vraiment très bien défendus. Par exemple ici on a une très belle ligne droite, mais en fait elle mène à ce point de contrôle là, celui-ci il faut passer en dessous les ponts, remonter pour faire des trucs. Ici pareil, il faut passer des ponts pour y aller. On se retrouve ici, mais on est coincé, il faut faire des grands détours. Donc vraiment une ville qui va être assez tricky à prendre si on joue au point. Cela dit, on est nombreux, ce qui change par rapport au Skaven, et donc notre attaque va se faire sur trois fronts. On va avoir une attaque la plus massive ici. C'est assez large. On arrive sur une hauteur où on pourra éventuellement harceler tout ce qui sera en bas et prendre ce point. Éventuellement nous diriger vers le centre de la ville relativement aisément. Pour ça, on a une force assez forte, hein, des Battle Brothers qui sont là. On a la Horde, on a les Broubrous, on a Alberic. Et en renfort sur le côté pour éventuellement contourner et attirer un petit peu de troupes, on a les Chevaliers du Cœur du Lion et les Gardiens de Montfort qui sont ici, qui vont pouvoir harceler un petit peu, charger, reculer, balancer de la flèche si besoin. La deuxième phase d'attaque va se faire ici. Ici, on a nos deux autres archers qui vont pouvoir se placer pour tirer sur un peu tout ce qui aura envie de s'accumuler là, et notamment ce qui pourra éventuellement s'accumuler là. On a une force de frappe pour pénétrer dans la ville si jamais le chemin est libre ou quand ils commenceront à s'enfuir. Et on a des hommes d'armes avec lance ici pour éviter tout ce qui pourra être charge ou les invocations Skaven à la con. Et enfin, on a quelques petites forces de diversion ici, des cavaleries. Donc on a les poulains, on a des chevaliers du royaume et on a les jokers de Triste Clown qui sont prêts à prendre les chemins qui seraient éventuellement libres pour aller chercher des choses, faire des charges dans le dos, s'adapter. Hein. Après tout, c'est de la cavalerie. C'est parti. On va attendre un peu, on va voir comment ça se présente. Alors ici, on a du courant nocturne, juste en face de notre cavalerie. Ici, on a du Skaven Esclave à lance qu'on pourrait exploser avec nos chevaliers du royaume, la question se pose même pas. Ouais, on va directement charger, on se pose pas de questions. Là c'est vide, donc ici on pourrait foncer directement jusqu'à ce point. Alors il y a une tour ici qui pourrait faire un peu chier. Ça c'est quoi? C'est du guerrier des clans lanciers, mais ils sont assez mal placés, hein. Il devait se dire que j'allais peut-être me faufiler par là, mais du coup on va pas le faire. Ici, du coup, on n'a rien devant nous, a priori. On va donc pouvoir charger directement par là. Là, on a des coureurs nocturnes avec fronde. Ça me paraît être une cible parfaite pour Alberic, le temps que nos unités à pied se pointent. Donc c'était l'objectif, hein, qu'il disperse largement ses troupes. Il a parié sur ce côté-là, visiblement, mais il n'a pas mis ses courants nocturnes ici. Là, il joue la masse. Il joue la masse, donc on va faire pareil. Il va clairement nous invoquer une saloperie, hein. Je voudrais les gens avec bouclier, voilà. On va se mettre devant. Parce qu'il a eu la gentillesse de ne rien. De ne rien nous mettre de distance a priori, même pas de tour. La seule tour qu'il y a, elle est là, elle est bien placée, hein, elle peut faire mal à notre cavalerie, mais on devrait pouvoir s'en occuper, je pense. Eux, ils lancent l'attaque. Ici, j'ai lancé les charges. C'est parti. Observons un petit peu s'il n'y a pas des unités qui apparaissent. Ça va être du Skaven, hein, ils peuvent être cachés. Hein. Ça commence à tirer. Alors on est plus lent quand on est en lance. Par contre, on accélère plus vite et la vitesse de charge est meilleure. C'est pas forcément utile de s'y mettre très tôt, je pourrais le faire au dernier moment. Mais là, il n'y a pas non plus un danger. La charge des chevaliers du royaume dans les esclaves. Alors est-ce qu'on peut voir ici,
On a impacté les courants nocturnes et derrière c'est des Skaven esclaves qui arrivent. Ils ont mieux résisté les courants nocturnes. Hein. Normal, hein, c'est du tier 2 si je ne me trompe pas. Non, c'est du tier 1 les courants nocturnes avec Fronde, ok. Ici, c'est en train de courir dans tous les sens. Nos unités sont placées, nos archers. Ils vont commencer à ouvrir le feu, c'est parfait. Là, du coup, on a commencé à ouvrir le feu. Ils sont en train d'avancer. Non, ils ont été fixés par Alberic. Parfait. Ici, on est en train de faire le tour. Il y a du guerrier des clans lanciers, là. Ouais, si, bah oui, c'est eux. Alors, on dirait qu'ils étaient en train de... Ils sont dans quel sens, là? Ah, on dirait qu'ils avaient commencé à faire le tour, peut-être pour aller chercher les jokers. Mais ils ont dû voir la cavalerie arriver derrière. Donc on va commencer à leur balancer quelques petites flèches. Est-ce que ça vaut la peine de changer de direction? Si on part par là, on peut aller jusqu'ici. On pourra le faire. Hein. Là, on va se mettre en escarmouche. Et on va envoyer les chevaliers du cœur de lion jusqu'ici. Puisque l'opposition est inexistante. Et que nous, sur ce flanc-là, on est au-dessus. On peut pas y aller. C'est cette tour là qui tient ce truc là, ok. Et on est en train d'aller la prendre, c'est plutôt parfait. D'ailleurs les deux tours qu'il a construites sont sur ce point là. Il est en train de ramener du monde. Ok. Non, non, même pas, il ramène du monde par là-bas. Il hésite un petit peu quoi faire. Ici, dès que c'est fini... Et ça devrait finir assez vite. On va aller filer un coup de main là. Ok, c'est parti. Hop là. Donc c'est du Skaven, hein. Ils vont fuir, revenir, refuir. Ici ils nous ont chargé. Donc là, comme prévu, hein, ça va être un fight. Ils sont bien compacts. La ligne est facile à défendre. C'était l'objectif, ce que je voulais, c'était qu'ils mettent un maximum de leurs troupes là. Alors, ah, là il y a des guerriers des clans qui se rapprochent, là. Ça c'est un peu plus dangereux, il est en train de faire une autre tour là. Ici, ils sont en train de nous poursuivre, ok, pas de soucis. Là on est bientôt arrivé. Sur le front d'Alberic, ça glande. Ça glande, ça glande, nous on n'aime pas que ça glande. On va donc envoyer Alberic filer un coup de main là. Ça, c'est bien en déroute. Et bien terminé, on va foncer ici. Et avec toute notre force de péon à pied, on va également foncer ici. Si je pense pas que je vais... Après je peux tenir hein, face à ces... à cela, le temps qu'il faut. J'aimerais bien quand même prendre ce truc. Pas trop sortir de la zone. Allez, non, on est en train de le perdre. Il faut le prendre parce que là il a un max de tours. Donc là les lanciers nous font mal, hein, ça reste du lancier. On a Alberic qui fonce. Ici, ça commence doucement à céder sous la pression. Les archers font le taf. Il y a le chef au milieu, mais avec les trucs empoisonnés, ça aide bien quand même. Allez, Alberic, viens soulager ta cavalerie. Parce que les flèches commencent à faire mal. Hein. Ici, ils se sont formés dans le dos. Là, on court, mais c'est long, bien sûr. Ici, on les défonce. Ici on est en train de prendre le truc tranquillement. Et là il y a des gens qui courent, pas de soucis. Alors ici c'est la déroute et en plus ils sont en déroute, ils sont complètement brisés avec la petite tête de mort. Oh bah, fantastique. C'est donc une victoire décisive. Je pense que leur seigneur qui part en déroute sous les flèches de la pluie de poison, ça les a définitivement mis à terre. Je pensais qu'il tiendrait encore un petit peu.
4, 12, 3, ouais, ce qui a fait mal c'était les tours. Mais bon, franchement, vu le ratio, on a fait le taf. Bon, après, on a toujours des gros ratios contre les Skaven, hein, ils sont tellement nombreux. On les défonce assez rapidement. Les écuyers d'Akkad qui étaient donnés disparus s'en sont très très bien tirés. Et on gagne un étendard en os de liche et très peu de sous par contre. On va donc occuper et sécuriser la province. Ok, très bien, c'est parfait. On va pouvoir mettre un ordre. On va partir sur ça. Réduire le coût de construction. Ici on a recruté, on va aller là. Et là on va avoir un bâtiment qui se termine, un autre bâtiment qui se termine. Vu que lui, visiblement, décide de ne pas trop nous embêter. Une fois de plus, on pourrait améliorer ça. Ça nous baisse quand même le coût de recrutement pas mal, hein. Mais c'est pas des unités non plus de fou dans le contexte. Par contre, on doit commencer à avoir un bonus de recherche intéressant. 110 pour l'instant, on va avoir 120. C'est pas mal. Itza, tu nous aimes un peu mieux. On pourrait commencer à commercer avec eux. C'est parti. Alors là, ça va nous aider. Oh que oui. 600 balles de plus de commerce. On exporte que 32%, 72%, 72%. Donc on va pouvoir commencer. Ça fait bien plaisir. On va pouvoir commencer à vendre nos ressources. Si on arrive à trouver quelques autres partenaires commerciaux, ça va aider. Toi, tu nous aimes comment? Pas tant que ça, hein. Aversion et menace stratégique. S'il décide de nous déclarer la guerre, bah on le combattra, hein. Ça ne me dérange pas plus que ça. Il a des cités portuaires, donc ça pourrait être intéressant d'aller le chercher. Mais on verra ça lors du prochain épisode, puisque celui-ci a suffisamment duré. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.